Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la maman de Meghan Markle. On va parler de Doria Ragland. Doria Ragland qui fête son anniversaire aujourd'hui. Elle fête ses 66 ans. En effet, elle est née le 2 septembre 1956 à Cleveland, dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis. Donc, Doria est une maman courage, une maman qui est auprès de sa fille, qui la soutient. Et ce, depuis bien longtemps, bien avant même le mariage de Meghan, pour ceux qui pourraient avoir des critiques. Une maman qui a toujours été là, toujours discrète, vraiment, qui a gardé un silence face à la montée de haine contre sa fille, face aux critiques, face à la famille Markle qui la dénigre, qui raconte des rumeurs plus ridicules les unes que les autres. Une Doria qui est là, patiente. Elle est prof de yoga, peut-être ça doit jouer, parce que les profs de yoga sont réputés pour être très patients. Et je voulais lui souhaiter un très bon anniversaire. Les fans de Meghan Markle et le prince Harry ont réussi à le faire à peu près partout dans le monde. Et souhaiter le bon anniversaire à Doria Lois Ragland, c'est son nom. Et on lui souhaite que le meilleur, qu'elle soit toujours une force pour notre belle princesse, pour le prince Harry, mais aussi pour les enfants, Lilibet et Archie. Donc, je parlais justement dernièrement avec une proche amie et super fan de Meghan Markle. On se disait que ce serait bien si Meghan Markle pourrait consacrer un podcast à sa maman afin qu'elle raconte son histoire, mais aussi qu'elle lui pose des questions pour savoir comment elle vit tous ces moments difficiles avec sa fille. Bon, certains me diront que non, ça donnera la possibilité aux tabloïdes de rentrer et de critiquer. Mais bon, sincèrement, je trouve que ce serait bien un podcast qui lui sera dédié pour la mettre à l'honneur, la remercier et aussi pour l'honorer parce que c'est quelqu'un qui a été là avec elle. Je suis sûre qu'elle a dû être touchée par toute la méchanceté qui est envoyée envers sa fille. Il faut aussi savoir que à cause de tous les haters et les trolls, elle a perdu des jobs et ça a vraiment affecté sa vie. Donc, elle vit pas loin de sa fille, on nous dit. Donc, tout ça pour dire que vraiment, bon anniversaire, Doria. Et on vous souhaite que le meilleur et des années de vie. J'espère que vous profitez de ces moments auprès de votre fille, de votre gendre et de vos deux petits-enfants. Merci beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.